Marc, vous m'avez amené le foie gras. Oui. Donc là, c'est un foie gras qui vient d'où ? De notre région, la Vendée. La Vendée, précisément la région de Loire. Marc, à quoi on reconnaît un beau foie gras ? Un beau foie gras, si on regarde celui-ci, par exemple, il est d'une belle couleur. Couleur qui revient un petit peu au produit qu'on utilise pour le produire, le maïs. Oui. Donc, c'est cette couleur bien homogène. Et également donc un foie gras qui n'a pas de tache, un foie gras qui va faire entre 5 et 600 grammes, qui va avoir une certaine souplesse. Alors quand on dit une souplesse, c'est-à-dire que quand j'appuie comme ça avec mon doigt, voilà. Là j'ai le doigt qui rentre par l'intérieur, il laisse mon empreinte, voilà. On sent qu'il est pas mou, il est pas dur. C'est ce qui est recherché. C'est ce qui est recherché. Oui. Et donc là oui. On peut dire que c'est un beau foie gras. Voilà. Et donc ces foie gras, je les trouve où ? On travaille beaucoup dans la restauration, donc on les trouve sur toutes les grandes tables, en GMS, en boucherie, et également dans notre boutique à Loire. Qui dit foie dit bien sûr le canard. Oui, tout à fait. Donc rien ne se perd dans le canard, comme on se plaît à dire souvent. On fait donc de la découpe avec la cuisse et le magret. On fait également donc du confit. On fait ensuite, donc ici on a l'escalope. Ah oui, alors donc l'escalope là c'est le foie gras qui est coupé, prêt à cuire. Voilà. De l'escalope et on fait des verrines en mi-cuit ou en conserve. Eh bien, merci Marc. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour réaliser le foie gras poêlé aux framboises et aux topinambours caramélisés, j'ai tout d'abord découpé le foie gras en épaisseur de 10 à 12 mm et ensuite je vais le placer au congélateur environ 30 minutes pour bien le faire froid à cœur, de façon à pouvoir bien le dorer après sans trop le cuire. Donc là, je le recouvre bien avec la feuille de papier et c'est parti pour une demi-heure. Pour réaliser les topinambours caramélisés, j'ai tout d'abord cuit mes topinambours à l'eau légèrement salée, que j'ai épluché. Alors surtout, j'ai pris soin de ne pas trop les cuire, de façon à les garder encore assez fermes, vous voyez, et de façon à pouvoir les découper en morceaux sans qu'ils ne partent en purée. Je prépare donc une poêle bien chaude, avec un panaché de beurre et d'huile. On se rappelle qu'un petit peu d'huile dans le beurre permet au beurre de ne pas brûler, bien sûr à condition de ne pas le laisser trop longtemps. Je mets donc mes topinambours dans mon panaché bien chaud et je vais laisser maintenant dorer les topinambours. J'ai donc déglacé mes topinambours avec la petite pointe de soja et de miel. Vous voyez comme ils ont pris une teinte bien dorée, Je rajoute la petite pointe de citron au dernier moment. Je sors du feu et maintenant mes topinambours sont prêts pour accompagner mon foie gras que nous allons maintenant poêler. Donc mes tranches de foie gras sont bien froides, vous voyez, elles sont très fermes, pas congelées mais presque. Elles pourraient l'être d'ailleurs, ça marcherait tout aussi bien. Ma poêle est bien chaude mais pas fumante. Je place mon foie gras dans la poêle. Mon feu bien vif, je vais même l'augmenter un petit peu. Voilà, il est à fond déjà. Comme le foie gras est bien froid, il fond bien sûr légèrement, mais il va bien dorer, on va lui laisser le temps de bien caraméliser en dessous, surtout je n'y touche pas, jusqu'à ce que le foie gras soit bien doré. Ce qui est bon dans le foie gras poêlé, c'est qu'il soit légèrement caramélisé sur le côté, légèrement. Et surtout pas trop cuit à cœur. Donc maintenant, il y a environ 40 secondes que j'ai posé mon foie gras dans la poêle. Vous voyez comme il a bien doré. Regardez comme il est bien doré. Bien sûr, il ne faut pas qu'il soit noir. Je vais maintenant le laisser environ 15 à 20 secondes. Ça va suffire. Et maintenant, mes tranches sur un sopalin pour absorber bien le gras. Vous voyez. Donc j'ai pris soin de ne pas laisser brûler la graisse. Vous voyez, elle est dorée, mais elle n'est pas noire. Donc la graisse, bien sûr, maintenant, je vais l'éliminer. Le foie gras, comme vous pouvez voir, est juste cuit à cœur, bien croustillant de chaque côté, cuisson parfaite. Et maintenant, je vais déglacer avec une pointe de vinaigre de vin. Donc ma poêle bien chaude. Je rallume pour bien saisir, de façon à décoller tous les petits sucs qu'on puisse coller un petit peu lors de la cuisson. Mon bouillon de poule, je vais laisser réduire à peu près de moitié. Mes framboises, que j'ai pris soin auparavant de mixer et de passer à travers un tamis pour enlever tous les petits pépins. Donc, mon coulis de framboises.
Je coupe le feu pour ne pas laisser cuire maintenant que j'ai mis la framboise. Bien sûr, je vais assaisonner la sauce. J'en profite pour assaisonner légèrement les tranches de foie gras. Un petit peu de fleur de sel. Et nous allons maintenant dresser les assiettes. Je rajoute quelques framboises pour avoir tout le côté fraîcheur de la framboise et le côté légèrement acidulé qui va bien se marier avec le foie gras. Quelques bâtonnets de ciboulette, tout simplement. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.